Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Wake et Kirby dans les bois sombres. On avait réussi à attraper des gifrelins, ce qui était une super nouvelle puisque ça allait nous permettre d'avancer un peu plus. Et on va tout de suite aller voir ce qu'on peut faire en jeu. Donc voilà, on était revenu au bosquet pour être en sécurité le temps de la nuit. On va retirer des farfelins. Oui, quelque chose comme ça. Ah bah j'en ai plus. Ok. Voilà, donc c'est parfait. Normalement notre inventaire a été vidé un peu. Et on va du coup aller au bois sombre du centre. On va voir ce qu'on peut faire. Remonter et c'est parti. Donc bon, on va profiter comme d'habitude, essayer d'avoir un peu plus de graines pour récupérer ce petit monde. Ici il y a un caillou. Et comme j'ai réfléchi, bien évidemment, on devrait pouvoir utiliser cette chose-là. Tic tac tic tac tic tac. Pas du tout. Pas du tout. Tu fais rien? Ah si. Voilà. Revenez les copains. C'est un peu long. Voilà. On va pouvoir se glisser et découvrir ce qu'on a de ce côté-là. Alors, pas de chance, j'ai pas de farfelin. Est-ce qu'on peut m'envoyer des farfelins? Viennent de ce côté-là. Oh, c'est pas si mal ça. Je vais pas pouvoir remonter en fait, c'est ce qui m'embête. Non. C'est pas tout moisi. S'il y a pas tout moisi, comment j'en vais me faire cela? Parce que je vois bien qu'il y a l'air d'avoir une. Une fleur ici qu'on va pouvoir activer, mais sans farfelin. Et je peux vraiment pas les envoyer à fond. Je peux les envoyer là et ça a absolument aucun intérêt. Je peux les envoyer là et je pense pas que Kirby puisse récupérer. Non. Bah ça m'avance, mais pas tant que ça. Va falloir que je trouve comment activer ça. On récupère tout le monde. On va passer par là. On a vu qu'ici on pouvait. Ah, il y a d'avoir une machine à laver qu'on va pouvoir ramener à la bonne trouvaille. Je peux pas vous envoyer par-dessus. On va voir ce qu'on peut faire. Il faudrait un petit peu d'eau et un petit peu d'eau, je pense. C'est ce que je manque le plus. Voilà. On récupère tout le monde.
récupère pas tout le monde. C'est un pont que je peux pas passer là. Ah oui. Il en faut 15, ok. Non. Oui, c'était pas mal. C'était pas mal, ça le fait. On va récupérer ici. Je me suis approché trop près, bien évidemment. Ça serait pas marrant sinon. Ouais, l'autre technique est plus intéressante. Allez. Je suis déjà plein. Ok. Et il continue d'ouvrir. Nous, on continue d'avancer. Bah, tu comprends ça aussi. Écoute, je suis plein, je suis plein. On va demander à Wake. Wake. Merci. Pour ça, ça, ça suffit. Pour ça. Je voulais. Oui, je voulais lancer mes farfelins. Il me reste ? Il me reste, oui. Voilà. Une nouvelle page. C'est cool. Et ça aussi. Du coup... Je vois pas vraiment comment on peut les apporter de l'autre côté pour activer... Essayer de faire ça comme il faut. Voilà. Attends, ça, ça passe. Et de mémoire, c'est pas très loin. Le téléporteur, on a fait beaucoup de mètres. C'est ça. Donc c'est une théière, donc ça va à la bonne trouvaille. Maintenant, on connaît l'astuce. Par contre, ici, effectivement, il manque peut-être encore quelque chose. Pour réussir à aller par là. Ah, ici. Il m'en reste 4. Séparez-vous. C'est parfait, la machine à laver est envoyée. Livraison au musée reçue. Merci. Je suis prêt à l'exposer la prochaine fois que vous me rendrez visite. Il y a encore de la place, alors continuez à mouiller des reliques. C'est le petit blabla habituel. Du coup, je vais récupérer mes farfelins. Revenez les copains. 26 sur 44, oui, parce que vous, vous êtes là. On a dit, il nous faut des farfelins de feu pour passer là. Un peu mieux. Allez les copains. Ah oui. Faites les malins. Hop, donc on a dégagé le chemin, c'est une bonne chose. Ici, visiblement, on était déjà passé. Des pom-poms. De quoi se soigner. C'est pas mal. Ici, il y a toujours le coffre qu'on n'a pas fait, du coup. Là, on l'a fait, on a activé ça. Donc on va avancer. On va les séparer et prendre ce feu pour ça. C'est parfait. Ça nous débloque une nouvelle zone. On ira voir dès qu'on aura fait cette partie-là. Alors du coup, je me dis que peut-être les bouilloires peuvent aussi servir à casser les blocs de glace. Ça me paraît un peu over abuse, mais sait-on jamais. C'est pareil, qu'est-ce qui va nous permettre de toucher ça? Parce qu'il doit y avoir quelque chose, un mécanisme. Ça m'a l'air trop... pour que la bouilloire puisse y faire quelque chose. Puisque la bouilloire explosive, on l'a vu tout à l'heure.
elle explose son niveau. Et du coup, ça voudrait dire qu'on a... eh bien, tout simplement... on a vu un piano, là, potentiel à attraper. Voilà. On va pouvoir sauter. Je peux sauter? Oui, je peux sauter. Merci. Donc on redescend. Des poubelles, du loot. Allez-y les gars. C'est parfait. Un petit peu de graines. Ok. Bon, la nuit, je descends déjà et on n'a pas fait grand chose. Non, c'est la carte que je veux. Oui, le TP est par là. Le camp est par là. On va aller au camp. Et je pense qu'on va... Voilà, le TP est là. Le camp me permet juste de sauvegarder, pas de dormir. Et encore moins de vider notre inventaire. Et là, on aurait besoin de vider notre inventaire. J'aimerais vraiment qu'on puisse acheter de quoi améliorer notre inventaire. Je vais d'ailleurs poser la question à Grimanto, peut-être qu'il a ce qu'il faut. C'est quoi cette histoire de perte de mémoire? Vous avez dit que c'est à cause du jamais. En effet, sa force, sa proximité à une exposition prolongée, tout contribue. Et vous me semblez oublier que certaines choses, comme vos noms et d'où vous venez. Eh bien, il mange intelligemment. Il mange. Il se nourrit des souvenirs et les choses les plus importantes sont les plus nourrissantes. Des choses en rapport avec l'identité, par exemple. Mais aussi les souvenirs de grandes joies, de l'enfance, des êtres chers. Il se délecte de tout ceci, de la torture infligée. Ça va aussi nous arriver si on reste ici? Oui, ça a déjà commencé. Des rêves étranges, Maître Wake, des situations étranges dans les bois, des personnes qui ne devraient pas être là, mais qui communiquent avec vous. Mais en remettant tout dans l'ordre, nous pouvons réduire un filet à ce qui est devenu une cascade. Mais je crains que les artefacts seuls ne suffisent pas. Poche profonde, pas encore vagabonder, essayer de tout défaire à nouveau. J'aurais peut-être une autre tâche à vous confier après ceci, Maître Wake. Mais pour l'heure, espérons que non. Donc effectivement, on ne peut pas forcément améliorer ici. Je crois que... voilà. Les artefacts, n'est-ce pas? Vous savez que danser n'est pas une compétence utile ici, vous savez? Et vous savez que le fait de vous morfondre, de ne pas savoir, est qu'une perte de temps? Bon, peu importe. Au moins, vous êtes drôle, parfois. Parfois, mon chou, parfois. Ok, donc effectivement... est-ce qu'on a de nouvelles zones? On n'a aucune nouvelle zone. C'était prévisible. Ici, on a de nouveaux objets exposés. Une tirelire. Ce gadget permet de bien maintenir la ferraille. Il suffit d'en posséder un et pendant un moment, vous ne perdez plus votre ferraille après une attaque ou un évanouissement. Ah, c'est parfait, une tirelire. Du coup, c'est un objet... Je pensais que ça serait un objet clé, non? C'est un objet à tenir dans l'inventaire, du coup. Qui allait dans mon stockage? Je vais ranger tout ça. Je peux vraiment pas grandir ce... Ok. Ok, c'est inconsommable du coup, j'imagine. Je vais garder juste les lampes. On verra pour ça après. Il faudrait que je pense à utiliser mes tonifiants. J'ai pas trouvé de chat, donc elle va rien avoir à nous proposer. Ici, ah voilà, en fait c'est vraiment ça, c'est la roue à eau qu'il me faudrait. Alors, cet ancien moulin à eau servait à alimenter en énergie toutes sortes de projets dans le bosque, mais sa roue a depuis longtemps disparu. Les membres de Verga ne semblent pas se rappeler des circonstances de sa disparition, mais il y a une note ici qui dit « Emprunt pour un projet forestier ».
plutôt vague comme explication. Si le moulin était remis en état de fonctionnement, qui sait les merveilles qui pourraient être réalisées? Effectivement, j'aimerais bien le réaliser. Du coup, emprunt pour un projet forestier. Qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Peut-être pas le ravin. Le chemin oublié. Fumerolle. Les champs givrés. La grotte engloutie. La côte de cristal chute. Rien de tout ça ne ressemble à un nom de forêt. Terrier. Chemin oublié. Terre-cœur. Ça ressemble pas à un projet forestier. On va peut-être réussir à s'en sortir quand même. Du coup, on va dormir. Et on va essayer d'aller plus loin demain parce que pour l'instant, on se galère un peu et on n'a pas de camp pour dormir. Donc, on a vu que la nuit était un peu chiante. Parce que si on passe juste la nuit à côté d'un. Attends, je vais éclore des pépins d'abord. Si on passe juste la nuit à côté d'un. Je vais y arriver, je vais trouver les mêmes mots. D'un camp ou d'une source de lumière, juste pour dire de passer la nuit à côté d'une source de lumière. Ça reste pas très passionnant. Du coup, j'en ai 14. Pas besoin d'en avoir 14. 10 et 20. On va faire ça. On va faire ça. On se TP. Alors c'est amusant parce que ce TP est quand même super proche. Et pourtant, il nous est super utile. Voilà, donc on va repartir par là. On va péter ces choses-là, histoire de avoir un petit peu de matière première. Et on a dit, on va par là, on tue les blobs, et on va voir quelle est cette nouvelle zone. Salaud! Je pense que je vais être bon pour manger un pom-pom ou deux. Allez les gars, soyez un peu plus réactifs. On va par là. Wow! Alors, il y a un truc qui vole, j'aime déjà pas ça. Ok, on réussit à le mettre à terre. Ouf! Qu'est-ce que c'était que cette chose? Hop. Un Vesponiac! Il se nourrit des farfelins! Et il peut utiliser les farfelins capturés comme des armes de jet! Ok, il faut le projeter à terre pour l'étourdir. Effectivement, c'est une belle. On va essayer. Voilà. Butez-le, butez-le. Butez-le. Allez les gars. Il y en a qui glandent. Empêchez-le. Non! Ne laissez pas se nourrir! Ne laissez pas se nourrir! Butez-le! Une belle cochonnerie! 39. Celui qui glande est en bas.
peut-être moyen d'y aller. On va voir. Déjà, on récupère un petit peu de loot. On va récupérer un peu de miel. Est-ce que c'est utile, le miel? Hop, on éloigne les abeilles, on leur pique leur miel. Allez, plus que ça. Trop fort. Et du coup, il nous en faut 15. On va prendre 15 de ceux qui ont moins. Je dirais pas le moins d'intérêt, hein. Tout autant d'intérêt que le reste. Mais ils ont moins de pouvoirs spéciaux qui nous sont utiles. Et on va pouvoir gérer ça. Donc le TP est pas si loin. Et on est en plein milieu de la journée, mais j'ai quand même très envie d'aller voir ce qu'on va pouvoir avoir comme amélioration de sac, d'emplacement, ce genre de choses, parce que pour le coup, c'est clairement ce qui nous manque. Des petites améliorations. Est-ce qu'on peut looter des petits trucs en passant? Pas vraiment. On va remonter avec eux, on va aller au bosquet. Oui, nous venons de recevoir la roue à eau. Merveilleux, quand vous pourrez retourner au bosquet pour que nous puissions commencer les réparations. Et bien, on va y aller tout de suite, parce que ça me paraît important. Et puis finalement, le bout de zone, eh ben, c'était un cul-de-sac aussi. Pourquoi vous êtes resté sur place là, vous? Rassurez-moi, vous n'êtes pas réellement resté sur place. Hein. Vu qu'il n'y en a que 32. Bah si, il y a des petits malins qui font les malins. 40. C'est bon. Rebelle 0. Ok, il y a des malins qui faisaient les malins. On va pouvoir réparer. Pour 10 pièces détachées et 1000 de ferraille. Et voilà! On va pouvoir rajouter un cœur au PV max de Kirby. Un cœur au PV max de Wake. Avoir une balise des gardiens. La balise des gardiens peut projeter un faisceau puissant pendant une seconde supplémentaire. Le souffle qui peut fonctionner à haute puissance pendant une seconde supplémentaire. Et on peut augmenter la capacité de stockage du sac d'un. Bah, on a les moyens. Hop. 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 Et hop. Et du coup, j'ai re les moyens pour... Voilà, j'ai plus les moyens pour rien du tout. On est déjà mieux. On va même pouvoir mettre des choses dans le stockage et repartir. Alors du coup la seule question c'est que ça c'était un cul-de-sac. Là il y a un objet visiblement qu'on peut avoir mais on n'y arrive pas. Peut-être là. Peut-être que là il y aurait des choses à faire. Peut-être que là il y aurait des choses à faire. Sachant que notre objectif c'est quand même de monter. Hein, pour. On va essayer de dézoomer. Pour essayer de trouver celui-là. Je pensais qu'on pourrait passer par là, mais on n'a pas réussi. Ici on avait besoin de 6 givrelins. Et du coup maintenant ça y est, on en a 6. Ça pourrait aussi être l'occasion de d'essayer de faire justement les petits bouts qu'on n'a pas pu faire. Essayer de voir combien il nous faut de givrelins typiquement pour aller de farfelins pour aller par là.
Ça nous fait pas avancer des masses, mais... Ça va quand même nous être utile, je pense. Un petit peu de loot. Ça va être cool, un petit peu de loot. Là, je voulais que vous alliez là. Et maintenant qu'on a de quoi dépenser nos ferrailles, on va voir que ça va plus vite descendre. Est-ce qu'il faut que je descende là? Non, il fallait que je remonte. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut libérer des chats en plus? Ce genre de choses. Ici, il nous en faut combien? 75. Bon bah, 75, on n'a pas le niveau. On se pose pas la question. Ça veut dire que tout simplement, bah, il va falloir remonter. Comme prévu, avec nos un peu plus que 6 farfelins. Vous êtes passés où les gars là? Pourquoi j'en ai plus que 27? Où est-ce que vous m'avez abandonné? Là-bas. Ah. Faut vraiment les surveiller. Ici. Là. Et là. On récupère un peu de ferraille. Comme je viens de le dire, maintenant on sait que ça peut partir super vite. Alors on a vu le crapaud. Tout de suite se le faire. Hop, le crapaud. Oh non, pas le deuxième en plus. Allez, soyez prudents les gars. Ah oui, j'ai plus personne à lancer en fait, c'est ça. Allez les gars. Allez. Soyez courageux. Merci les gars. C'est pas passé loin. Mais on a réussi. D'ailleurs, on s'est pas du tout posé la question. Peut-être que Kirby... peut faire des choses. Non. Kirby ne peut pas nous permettre de passer à travers. Donc là, on a vu, on est déjà passé par ici, de mémoire. Alors là, il y a un caillou. On va les éviter. Peu de loot, c'est toujours bien. On va se faire les champis qui nous empêchent de passer. La petite graine, on est bien 40 et on monte. Phew. Alors, du coup, parmi les questions, c'était peut-être qu'on peut aller plus loin en utilisant
des chiffres là, je veux des chiffres là, donnez-moi des chiffres là. Qu'on pourrait lancer plus loin, par là. Pas super probant. Je reprends Wick, je peux faire ça. Voilà. 39, c'est toi qui fais le malin? C'est toi qui fais le malin. Donc on va prendre ça, on n'a plus de place pour ça. Hop. Ah, il y en avait deux. Bon, même en ayant boosté l'inventaire, ça se remplit doucement. Un petit peu de loot. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de les jeter précisément sur le loot. Hein. Ils sont grands pour y arriver. Par contre, les gars, merci. Et la nuit est en train de tomber, donc on va faire attention. On va faire attention ici. Alors, on a vu qu'ici, c'était un cul-de-sac. On a vu qu'ici, il y a un arbre qui permet de les dédoubler. Et que, visiblement, on doit pouvoir faire des choses avec notre ami Tirby. Le truc, c'est que je vois pas du tout d'emplacement auquel elle pourrait aller. Du coup, je suis un peu coincé. Alors, on va se rapprocher de la lumière. Et on va réfléchir. On peut absolument pas faire ça. Ça n'a aucun intérêt. On va poser une lumière. Ouais, à peu près là où je voulais la poser. Je voulais me poser de l'autre côté. Voilà. Ouais, en fait, la lumière aussi bouge avec. Ok, on peut ramener notre lumière par là. Ça peut être un moyen de faire bouger notre lumière. Un petit peu trop loin. Non, revenez. Revenez. On reste à côté de la lumière. Ouais, faut vraiment de nuit être vraiment super proche de la lumière, toujours et encore et en toujours. Ça va être compliqué. L'épisode est déjà un peu long, donc on va peut-être pas non plus passer tout l'épisode à côté de la lumière. Ce que je peux peut-être faire, c'est en jeter une autre par là. Éclairer un petit peu mon chemin. Ouais, non. La lumière, elle les contient pas de vraiment rien. Et puis la carte nous donne pas spécialement d'indication. C'est vrai que ici on les a gelés. Ça se voit. Mais je suis en train de me demander si nous, on peut pas passer par la mélasse. J'ai peut-être aucun besoin d'un passage de ce côté-là. J'ai peut-être juste besoin d'un passage de l'autre. On va juste attendre la fin de la nuit. Ça va être un peu long. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est on va prendre juste Kirby, on va essayer de les séparer, d'en prendre aucun. Oh putain, c'était la mauvaise idée. Non, laissez le loot. Après, on peut se balader en promenant notre lumière, mais
C'est quand même pas la meilleure des idées de se balader en promenant notre lumière. Je peux mettre des choses dans mon sac à dos, les stacker. Alors la question, c'est vu que la dernière fois, ils ont lamentablement été dedans alors qu'on leur avait pas demandé, c'est est-ce qu'ils vont faire la même erreur ou pas. C'est pour ça que j'aimerais bien éloigner Wake et Kirby, sauf qu'il n'y en a qu'un des deux qui utilise les farfelins. Et la nuit est tellement longue. Alors ce qu'on peut faire en attendant, minima, c'est ça. Ah, j'ai entendu le petit cocorico. Voilà. Donc Wake et Kirby, effectivement, peuvent passer sans aucun souci. Et ceux-là, ils sont super contents de nous voir. Tout simplement, l'astuce était là et ils se sont fait atomiser. Génial. Ok, on va explorer un peu. Donc il y a d'autres arbres avec d'autres passages, avec un gros blobby. Mais comment tu t'es pris un coup en marchant par là? Faudra que tu m'expliques. Ok, donc ici on peut monter jusqu'au blobby, sauf que pas vraiment. Ok. Pas la plus triviale des choses. Ah, on a une trappe ici. Ok, parfait. On va pouvoir récupérer tout le monde. Tout le monde, ça veut dire tout le monde. Alors, est-ce que mes vrais... Non, mes vrais ne sont pas désintégrés. Tant mieux, hein. Attendez, les choses. On va débloquer ici. Pour débloquer, toi tu peux. Voilà, tu peux revenir. Donc c'est parfait. Donc déjà, on va pouvoir. Pas aller de l'autre côté, mais. Savoir qu'on peut y aller. Il nous faudrait plus de farfelins, de givrelins du coup. Donc ce qu'on va faire c'est... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais. Je voulais les givrelins. Vous me donnez les givrelins, voilà. Et on fait des bébés givrelins. Non, en fait non, pour vous... vous posez tout. On va faire ça simple. J'ai besoin des givrelins et j'ai surtout besoin de arrêter l'épisode là puisqu'il est déjà suffisamment long.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a réussi à se débloquer. C'était tout con. Mais bon, des fois, quand on voit pas, on voit pas. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et bye bye!